Voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'être là au Togo. Nous sommes arrivés hier soir depuis l'Europe. Il y en a qui sont venus de Paris, d'autres d'Allemagne, d'autres encore de Suisse. Il y en a qui vont venir de Côte d'Ivoire, Bénin, du Ghana et d'autres pays. Et il y a 3 ans, on était ici au Togo pour un programme, je crois. Et le Seigneur nous avait particulièrement assistés. Et donc 3 ans après, nous sommes revenus. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle nation. Alors le programme commence dès ce soir. C'est un séminaire sur plusieurs jours. Donc on sera là ce soir. On sera là demain soir aussi. Je ne sais pas si dimanche, le samedi aussi. Donc ça fait 3 soirées de réveil. Alors le programme commence à partir de 18h30 si je ne me trompe pas. 17h30. Voilà, donc on va annoncer l'évangile. Quel évangile? L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1 au verset à partir du verset 7. Après je parle pour Paul Galates il pas dans les mains. Les tagbantes. L'apôtre Paul dit au verset 6, je m'étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul était étonné de ce que les Galates, qui avaient reçu la parole du Seigneur, la vraie parole, l'avaient abandonné malheureusement pour passer à un autre évangile. Quel était l'évangile que Paul avait prêché? Paul prêchait selon 1 Corinthiens 15 que Jésus était mort pour nos péchés. Et ressuscité à cause de notre justification. Et donc, il prêchait la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas un évangile basé sur l'argent. Ce n'était pas un évangile basé sur la prospérité financière. Mais un évangile basé sur la repentance. Sur la conversion. Sur l'amour de Dieu. Sur la crainte de Dieu. Sur le retour imminent de Jésus-Christ. Un évangile basé essentiellement sur Jésus. Ils ont dénoncé le péché. Ils ont dénoncé la cupidité. Ils ont dénoncé, mes amis, l'idolâtrie. Ils n'ont pas prêché sur la dîme. Ils n'ont pas prêché sur, n'est-ce pas, les offrandes d'action de grâce. Ils n'ont pas dit que les pasteurs étaient des dieux qu'il fallait adorer. Ils n'ont pas dit qu'il fallait, n'est-ce pas, construire des bâtiments qu'on appelle l'église. Alors, ils ont prêché un message simple. Ils étaient des serviteurs de Dieu et des hommes. Ils servaient les hommes. Ils étaient au service des frères et sœurs. Et les Galates avaient rejeté cet évangile pour passer à un autre évangile. Paul dit non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc cet évangile là que les Galates avaient rejeté, c'est celui-là qui sauve. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent plus de l'évangile de Jésus. Ils veulent un évangile qui les caresse dans le sens du poil. Ils cherchent des sensations.
Ils oublient qu'il y a l'enfer qui attend les hommes qui refusent Dieu. Ils oublient qu'ils vont mourir un jour. Et que sans la repentance, sans Jésus, ils vont passer leur éternité dans un lac de feu. Alors, il est temps, justement, que nous revenions à l'évangile véritable. Voilà, donc nous devons, justement, mes amis, nous préparer pour le retour du Seigneur. Voilà l'évangile que nous sommes venus annoncer aux Togolais. Nous ne sommes pas là pour vous, pour votre argent. Nous ne sommes pas là pour vous dire que Dieu vous aime alors que vous péchez volontairement, alors que vous volez, n'est-ce pas, vos amis. Dieu vous aime, c'est vrai, mais Dieu n'aime pas le péché. Alors nous voulons vous dire justement que ce n'est pas le fait de payer la dîme qui va vous sauver. Nous sommes venus vous dire que la dîme est une pratique de la loi, qu'il ne faut plus la payer. Nous sommes venus dire au pasteur que si vous êtes divorcé, remarié, étant pasteur, si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer. Nous sommes venus vous dire que Dieu est contre l'adultère. Il est contre le remariage. Nous sommes venus vous dire que, mes amis, vos pasteurs qui ne vous disent pas que Jésus revient, ben ils vous trompent. Jésus ne veut pas des pasteurs stars. Il veut des pasteurs serviteurs. Au service des frères et sœurs. Les bergers cherchent la nourriture pour leurs troupeaux. Aujourd'hui, ce sont les troupeaux qui cherchent la nourriture pour les bergers. Vous avez déjà vu des vaches chercher de l'herbe pour les bergers? C'est le monde à l'envers. Et je suis venu vous dire de la part du Seigneur, pasteur, vous qui êtes appelé par le Seigneur, revenez à la sainteté, revenez à la sanctification, revenez au Seigneur. Un seul mérite la gloire. Un seul doit être élevé. Un seul est le vrai pasteur. Un seul est le véritable Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit. Il sauve. Il parle. Il restaure. Il est notre bien-aimé. Il est notre pasteur. Il est notre apôtre. Il est notre bishop. Il est notre roi. Nous sommes venus vous dire que l'heure est arrivée, chrétien, de revenir au véritable Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Un seul nom nous est donné sous le ciel par lequel nous sommes sauvés. Ce ne sont pas vos fétiches, ce ne sont pas vos traditions, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Et nous sommes venus vous le présenter. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le roi des nations, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob. C'est ce Jésus que nous sommes venus vous présenter. Et que les vrais chrétiens reviennent au Seigneur. Et que ceux qui ne croient pas en Dieu sachent que Dieu existe. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et bon, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le message que nous sommes venus apporter aux Togolais et aux Togolaises. Et nous sommes venus apporter aux Togolais et aux Togolaises. C'est une belle nation que Dieu vous a donnée. Donc durant ces trois jours, nous allons partager les choses sur le Seigneur, sur le ciel, sur l'enfer.
Dieu soit béni. Donc je ne sais pas si je crois qu'il y a le numéro dessus, si des gens veulent peut-être appeler pour avoir plus d'informations. C'est une belle langue. Wow, que le Seigneur soit béni. Vraiment là, on est dans la joie. Alors, le Togo, comment... Est-ce qu'ici aussi, on fête l'anniversaire des pasteurs? Effectivement, voilà. L'anniversaire des pasteurs au Bazan, les filles. Oui, effectivement, l'anniversaire pour les bâtiments, pour les pasteurs. Ah bon? Il y en a plein ici à Lomé, oui. Les tchotchis au Bazan, vous avez vu dans quelle Bible où l'on a fêté l'anniversaire de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jésus? Ils lisent quelle Bible ici? Bible à quel même où Paul au bas anniversaire, ou de Jacques ou pas, Bible à quel même où il y a gouvernement là. Donc, je crois que ce sont des choses qui doivent être dénoncées avec force. Amen. Kito, c'est comment? C'est quoi? En profondeur. En profondeur. Oui. Kito. Oui. Donc, c'est descendre. Oui. Waouh. On va appuyer dessus. Appuyer dessus. Voilà. Waouh. Que Dieu soit béni parce que c'est une belle langue. Hein. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Mes amis, en tout cas, c'est une joie pour nous. Donc, Julien, toi qui es venu au Togo pour la première fois, tu as rencontré des pasteurs pour qui on fête l'anniversaire de naissance. Vraiment, c'est dommage parce qu'ils font des choses que la Bible ne nous a même pas enseignées. Ils distraient le peuple du Seigneur. Je pense que le temps est arrivé que le peuple puisse connaître la vérité qui est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous enseigne, vous comptez la vérité vous rendra libre. Parce qu'eux, ils fêtent leurs anniversaires, mais je ne sais pas si eux, ils participent aussi à l'anniversaire de ces brebis. Ils ne le font pas. Donc, il est temps vraiment que le peuple togolais puisse encore revenir dans le Seigneur. Vraiment, je crois que le réveil a commencé dans ce pays. Voilà, dans le nom de Jésus, que le Seigneur soit béni. Le Jésus Christ est comme Miramau. Gloire à Dieu. C'est une grâce, hein, David, le Togo. Oui, c'est une joie pour nous d'être là et de pouvoir venir partager l'évangile. Et effectivement, on voit que, comme vous l'avez signalé, qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ce qui est pratiqué. Et qu'il y a besoin d'un temps de réforme, de revenir aux Écritures, pour voir effectivement si ce qu'on nous enseigne est réel, parce que ça nous condamne aussi. Ça nous apporte des fausses doctrines, et du coup, Jésus revient, et ce jour-là, il faut qu'on soit prêt. Wow, gloire à Dieu. En tout cas, c'est une joie. Donc, ça commence ce soir. Je pense qu'on a hâte d'y être. Donc, c'est gratuit. L'entrée est gratuite.
Il va, il va tout faire. Il n'y aura pas de dîme à payer. Mes amis, voilà, donc effectivement, le Seigneur va permettre qu'on prie pour les malades, ça, il n'y a pas de problème. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait. Donc, je crois que c'est dans un stade. Le stade terrain de basketball. Funomila Popuro, terrain de basketball, que le stade Omnisport, le ministère de l'environnement, Roua, Funomila Popule, le Trossia, le gâteau Koufandi, le Mille Kpemi, le Midjindia, le Nomba Kong Lore, le Adia, le Mite Yo, le Mite Levoa, le Noviola Doge, si Funanami, Yamoko, Odibe Ava, le Mita Kpenami. Voilà, donc le numéro de téléphone, je pense que c'est sur. L'affiche. Ils peuvent aussi, je crois, nous joindre à ce numéro de téléphone qui s'est affiché, hein, si jamais ils veulent un peu plus d'informations. Voilà. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, nous sommes très heureux d'être au Togo. Hein, donc ça, vous savez, on ne cesserait de le dire, parce que c'est un pays, personnellement, que j'aime beaucoup. Et, c'est la troisième fois que je viens ici. J'ai tombé avec ma fille. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Voilà. Donc après, on va faire un tour au Bénin à côté. Et nous profitons aussi pour saluer nos frères et sœurs du Bénin. Et nous aimons beaucoup dans le Seigneur aussi. Et donc vraiment, on a hâte, comme je vous ai dit, hein, d'être ce soir pour participer, n'est-ce pas, à ce programme organisé par le Seigneur. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous ne vous disons pas de quitter vos églises pour venir nous rejoindre. Nous ne sommes pas venus au Togo pour combattre une église. Nous sommes venus vous dire simplement que le royaume de Dieu arrive. C'est ça notre message. Nous voulons vous présenter le royaume et son roi. Et je crois qu'il y a beaucoup de pasteurs qui se posent des questions. Beaucoup de pasteurs qui sont sincères, qui sont véritablement appelés par le Seigneur. Et je voudrais leur dire, les âmes ne nous appartiennent pas. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour ces âmes. Nous devons être des gens qui libèrent les âmes plutôt que de ceux qui les gardent. L'évangile doit libérer les gens. Libérer les gens du péché. Libérer les gens de l'amour de l'argent. Libérer les gens de démons. Et les laisser avec le Seigneur. Comme Jean-Baptiste. Il avait des disciples. Il leur a présenté l'agneau de Dieu. Et ils l'ont quitté pour être avec Jésus. Et c'est ce qu'il faut faire. Un bon serviteur de Dieu. Un serviteur du Seigneur digne de ce nom. Doit apprendre à adorer, non seulement adorer le Seigneur, mais aussi à libérer les gens. Et là, car tous les chrétiens sont serviteurs et servants de Dieu. Je voudrais dire aux chrétiens, vous n'avez pas été sauvés pour servir votre église d'abord. Vous avez été sauvés pour servir le royaume de Dieu. Si une église ne vous prêche plus Jésus, si une église vous fait rester, vous fait vous accrocher, vous pousse à vous accrocher à la terre, si un pasteur est dans l'adultère et continue à être dans la fonction pastorale, ben quittez cette église-là, fuyez-la. Courez. C'est dans votre église. On vous parle plus d'argent, plus du matériel que de Jésus. Quittez-la.
Si votre pasteur est un pasteur divorcé, remarié, étant chrétien, quittez-le. Il faut chercher le Seigneur. On ne badine pas, on ne joue pas avec son éternité. Amen. Le pasteur de l'assemblée où vous êtes ne vous sauvera pas. Si un pasteur vous dit qu'il est votre père spirituel, quittez-le, parce qu'il y a un seul père spirituel, c'est Jésus-Christ. Amen. Ils ne sont pas là pour vous contrôler. Jésus a dit, n'appelez personne votre père. Un seul est votre père. Amen. Nous sommes des pères de la foi, oui, mais pas des pères spirituels. Mm-hmm. Si un pasteur vous dit que c'est lui qui veille sur vous, quittez-le. Un seul veille sur nous. Amen. Il ne dort ni le sommeil. Amen. Quand votre pasteur ronfle, qui le protège? Quand il le ronfle, qui vous protège? Quand il va aux toilettes là-bas, là, qui vous protège? Un seul protège. Amen. Il est sur son trône. Il règne à jamais. Amen. Il est le roi des nations. Alléluia. Sur sa cuisse est écrit un nom. Amen. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Son nom s'appelle la parole de Amen. Dieu. Et c'est Jésus de Nazareth. Amen. Que nous sommes venus vous présenter. Amen. Le roi des nations. Jésus ne demande pas votre argent. Il ne demande pas votre voiture. Amen. Il ne demande pas vos vêtements. Amen. Il s'en fout de votre argent. Amen. Votre argent est pourri. Amen. Votre or est rouillé. Il s'en fout de vos villas. Amen. Il s'en fout de vos millions. Il y avait milliards. Jésus vous demande votre cœur. Le franc que Dieu vous demande, c'est votre cœur. Il va juger les rois. Il va juger les princes. Il va juger les grands. Son nom, c'est Jésus. Et c'est celui que nous annonçons. C'est lui que nous vous présentons. C'est ma star préférée. C'est notre doudou d'amour. Alléluia. Ce sera l'évangile, frère. Revenons à l'évangile. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas blanc. Il n'est pas noir. Il n'a pas des yeux bleus. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de père. Il n'a pas de commencement de vie. Ni fin de vie. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est lui que nous annonçons. Brûlez vos photos de Jésus. Vos images de Jésus, brûlez-les. C'est un faux Jésus. Le vrai Jésus, qui l'a pris en photo? Il n'y avait pas de photographe à l'époque. Il est esprit. Et il est magnifique. Amen. Nous vous invitons ce soir. Demain soir. Et après demain. Et Dieu fera son travail. Amen. Nous ne savons pas ce qu'il va faire. Mais nous savons qu'il agit. Amen. À lui seul la gloire. Amen. Que Dieu bénisse le directeur de cette chaîne de télé. Et tous ceux qui y travaillent pour leur ouverture. Et nous vous invitons tous à ce programme. Amen. Au nom de Yeshua. Le Yesu Christ, que Dieu bénisse les autorités. Au nom de Yeshua. Le Yesu Christ, à ce soir, au revoir.